Bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis de vous accueillir pour ce colloque Cirque contemporain et engagement, puisque c'est un projet qui vraiment nous tient à cœur et qu'on porte depuis de très longs mois. Et pour ouvrir ce colloque, je vais tout de suite donner la parole à Nicolas Labarre, qui est vice-président de notre université, vice-président recherche. Et excusez Pierre Sauvanet, le directeur de notre unité de recherche Arthès, qui malheureusement n'a pas pu venir, mais qui nous soutient depuis le début du projet. Donc voilà, on le salue et voilà, je vous laisse tout de suite la parole. Okay. À mon tour de tout démonter. Donc bienvenue à Bordeaux-Montaigne. Je suis ravi au nom de l'université de vous accueillir, de dire quelques mots pour ouvrir ce colloque qui poursuit un cycle d'événements commencé en 2022. Alors j'ai le redoutable honneur de me substituer à Pierre Sauvanet en partie. Alors il aurait dit des choses très intelligentes, donc ne soyez pas trop critique. Il me semble que il y a quelque chose de vraiment pertinent pour cette université. Après avoir examiné les formes, les espaces, la question du genre au sein du cirque, de se pencher assez plus frontalement sur la question de l'engagement, des enjeux du cirque contemporain. Et moi, je travaille sur les objets de culture populaire et je suis toujours emporté par des projets dans lesquels on a une forme d'interdisciplinarité et puis une interrogation des formes de culture populaire qui n'appartiennent pas aux industries culturelles, c'est-à-dire d'une culture populaire qui se définit précisément par son accessibilité, par cette idée d'être disponible. Et le cirque contemporain, en dialogue avec le théâtre, mais aussi avec d'autres formes de performance du corps qui échappent le plus souvent au regard universitaire, me semble être un de ces objets qui mérite d'être saisi. À l'instar d'ailleurs de beaucoup d'autres objets, il y avait eu un colloque il y a quelques années dans cette université sur le catch, qui n'est pas le même type de performance et qui pourtant pose des questions qui me semblent parallèles, mais symétriques, c'est-à-dire finalement la performance, une performance et une forme de narration, mais au sein des industries culturelles, dans le cas du catch, alors que le cirque contemporain me semble déporter cela vers une forme qui est peut-être en partie artifiée, c'est ce que proposait l'appel à texte, donc une forme qui finalement peut se rapprocher de certaines formes consacrées et qui pourtant n'est pas une forme dont les protocoles sont connus par l'université, c'est-à-dire dont les formes d'évaluation, dont les formes de pratique, dont les acteurs ne sont pas entièrement connus par l'université. Et en ce sens, il me semble que consacrer un colloque au cirque contemporain, c'est un petit peu revenir à ce qui était l'essence des études culturelles au moment où le concept a été formé dans les années 60 en Grande-Bretagne, c'est-à-dire s'intéresser à des pratiques et essayer de se poser la question du sens de ces pratiques dans l'interaction avec le champ économique, le champ social, là encore avec les industries culturelles. Donc ne pas se poser la question des études culturelles comme quelque chose qui relèverait simplement de l'identité personnelle, de la démarche de construction de soi, mais bien des études culturelles comme la manière dont la pratique, dont le champ du culturel tel qu'il est défini de manière un peu conventionnelle par les institutions, dans le champ du culturel interagit avec la réalité quotidienne, avec le tissu social. Et il me semble qu'une nouvelle fois, il se joue des choses, en lire le programme du colloque, de cet ordre dans cette étude et dans cette série d'événements. qui pose un regard sur les institutions, les individus, l'interaction entre les deux. Et en ce sens, ce colloque et ce projet répond aussi aux attentes, aux ambitions de Bordeaux-Montaigne en tant qu'université. Donc le Bordeaux-Montaigne, c'est une université qui a renouvelé ses instances, dans lesquelles nous essayons collectivement de trouver une identité de recherche, une identité commune. Et une partie de cette identité, elle passe par l'idée de travailler, de faire de la science avec et pour la société, c'est-à-dire ce qui est abrégé dans l'acronyme des SAPS, mais qui est plus qu'une sorte d'injonction
descendante, qui est vraiment, je crois, une manière pour l'université de se penser en tant que, qu'institution dans la société, institution qui dialogue avec celles et ceux qui l'entourent. Et puis, dans ce processus de redéfinition d'une identité de notre établissement, il y a eu une réflexion autour des savoirs critiques comme mission fondamentale de l'université, des savoirs critiques qui sont bien entendu partie des missions de toutes les universités, mais qui nous semblent particulièrement pertinents à Bordeaux-Montaigne, là où le champ des SHS, en dialogue, en prise avec la société qui l'entoure, peut précisément s'emparer d'objets qui n'ont pas été construits, qui n'ont pas été compris, qui n'ont pas été examinés jusqu'alors, qui n'ont ni archives, ni patrimoine constitué, qui n'ont pas d'institutions dédiées ou peu d'institutions dédiées, et qui ne disposent une nouvelle fois pas de protocole d'évaluation, d'appréciation d'études. Et il me semble extrêmement important de mettre tout cela en place, précisément pour que l'Université de Bordeaux-Montaigne puisse jouer son rôle dans l'élaboration et dans le renforcement de savoir critique. Et donc, pour tout ça pour dire que je suis une nouvelle fois très heureux que ce colloque ait lieu ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme l'a déjà dit Marie, hein, ce colloque international, donc Cirque contemporain et engagement, donc prolonge le cycle de recherche que nous avons commencé en 2022 et s'est déployé sur 3 journées d'études. Donc la première s'était centrée sur les formes et esthétiques de l'engagement dans le cirque contemporain. C'était en mars 2022. Nous avions enchaîné avec une deuxième journée, les espace du cirque engagé, enjeu de légitimité, ça c'était au mois d'octobre 2022, et enfin une dernière journée qui avait été consacrée aux questions de genre, un cirque au féminin, repenser et réinventer les genres, et c'était en avril 2023. Alors nous remercions les enseignantes-chercheuses, les enseignants-chercheurs, ainsi que les professionnels et les artistes qui ont participé à ces journées et dont certaines sont à nouveau avec nous aujourd'hui. Nous, on est vraiment ravis en fait, de vérifier l'intérêt grandissant que suscitent les études relatives au cirque contemporain. Et pour preuve, c'est qu'au départ, ce cycle était porté donc, par Éléonore Martin et par moi-même, Marie Duré-Pujol. Et puis, il s'est renforcé avec l'arrivée d'Esther Fries, qui est doctorante et qui poursuit une thèse sur le cirque. Donc, on entendra parler durant ce colloque. Et puis, par un partenariat solide avec le collectif de chercheurs sur le cirque. Nous remercions également les institutions qui soutiennent ce projet de recherche, donc l'Université Bordeaux-Montaigne, bien sûr, l'unité de recherche Arthès, l'école doctorale Montaigne Humanité, la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a aidés aussi, le CNAC, les Actolido, l'AMSH de Bordeaux, bien sûr, et l'association Théâtre des Images. Et nous pouvons aussi citer donc, la scène nationale Carré-Colonne qui nous a aussi beaucoup soutenus, notamment pendant les journées d'études. Et c'est vraiment grâce à ces soutiens que nous avons pu mener ce projet à bien et sur un temps long. Donc vraiment, merci à vous parce qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Ces 3 premières journées, elles nous ont permis de problématiser la notion d'engagement, qui est une notion très vaste, puisque dans un sens large, ça renvoie à une implication générale dans le monde. Et dans le domaine des arts de la scène, et en particulier dans le domaine du cirque, cette notion d'engagement, elle rencontre d'autres notions, lorsqu'il est question, par exemple, d'engagement physique, d'engagement social, d'engagement militant, etc., etc. Et pendant les 3 journées, on avait pu voir que beaucoup de collectifs, artistes, chercheurs, chercheuses, brassaient la notion en l'étirant parfois. Donc on est aussi ravis de voir que tout ceci va se poursuivre pendant les 3 jours qui viennent. Donc ces derniers mois, nous nous sommes penchés sur des questions d'ordre général liées à l'engagement. Sur quoi est-ce que l'engagement s'appuie? Est-ce qu'il s'appuie sur une conviction, sur une valeur, sur un intérêt privé, sur un intérêt collectif, etc.? Qu'est-ce qui pousse un individu à s'engager pour une cause, à poursuivre un but, à prendre position dans un débat par le biais des arts? Comment est-ce que ces artistes font pour concilier l'engagement individuel et l'engagement collectif dans nos sociétés néolibérales? Et est-ce que cet engagement œuvre nécessairement pour le collectif?
Ces questions, elles étaient également reliées à des pratiques singulières pour tenter de saisir les nombreuses facettes de cette notion. Et justement, en introduction du cycle, Françoise Liot, qui est sociologue, ouvrait par une conférence sur l'histoire de la notion d'engagement en sociologie, puis dans le champ artistique, en s'intéressant plus particulièrement au théâtre et au cirque. Donc l'engagement, ouvre des questions liées au fonctionnement du champ artistique, qui concernent la vocation, le don de soi, l'intérêt au désintéressement, ou encore la gratuité. Mais finalement, qu'est-ce que veut dire exactement un cirque engagé ? Comment définir une artiste circassienne, engagée ? Quels espaces investit-elle ? Et où que l'on... qu'on lui assigne. Quelles sont donc ces pratiques engagées ? Sont-elles valorisées par les artistes et les institutions ? On pourrait même mettre « et » ou. Car l'engagement d'un ou une artiste met toujours en jeu des questions de légitimité, les questions de valeur artistique, esthétique de son engagement, la question de légitimité aussi en tant qu'artiste et individu à agir dans l'espace social, etc. Il y en a bien d'autres. La question de l'engagement dans le monde du cirque, elle se pose aussi à différents niveaux. Alors parmi les niveaux que nous avons identifiés, le premier c'est au niveau individuel, même si le niveau individuel est toujours relié au collectif. Il concerne notamment l'engagement physique, donc toutes les questions liées à l'entraînement, à la santé, aux risques, etc. Il concerne l'engagement émotionnel et aussi les convictions personnelles, politiques et ou militantes. Et alors, dans le cadre de ces trois journées, nous avions pu partager les recherches de Marine Cordier, qui s'intéresse à l'engagement au travail et à la professionnalisation, en mettant en avant différents types d'engagement, l'engagement corporel, l'engagement individuel par rapport au collectif. Et puis, nous avions également entendu les travaux de Magali Cizorn pour une réflexion à propos de la maternité et des impensés du mode de vie des circassiens, circassiennes, interrogeant d'ailleurs la sédentarité relative, choisie ou contrainte, ainsi que l'itinérance. Alors maintenant, les questions de l'engagement au niveau, qui se posent au niveau des compagnies et des collectifs. Alors, dans un premier point, au niveau esthétique, quels sont les choix, au niveau des choix dramaturgiques, des écritures, de la narrativisation ou pas. Dans les interventions sociales et territoriales, est-ce qu'on fait de l'action, cirque social, certains emplois parfois, les médiations, les interventions aussi pour des publics dits empêchés ou en difficulté, on l'a aussi parfois évoqué, mais aussi des partis pris politiques et militants, à la fois internes à la profession, mais aussi à l'extérieur. Et on avait, à ce propos, entendu les travaux de Martine Malval, qui sont liés au nouveau cirque, qui se positionne en rupture avec le cirque dit traditionnel, tant du point de vue de l'organisation et des espaces de travail que du point de vue esthétique. Nous avions aussi également discuté des réflexions de Marion Guyet sur les dramaturgies d'une acrobatie in situ, dans des espaces non dédiés, ou encore celle de Mathilde Peraya à propos du cirque queer à Montréal, qui engage une recherche esthétique à partir de laboratoires d'expériences sensorielles. On peut aussi citer les travaux de Cyril Roussial, qui avait proposé différents types d'engagement dans le milieu du jonglage, ou encore ceux de Lucie Bonnet, qui s'est concentrée sur Pli de Inbal Benaïm, un spectacle mêlant papier et cirque pour créer une nouvelle discipline à partir du papier. Et là, vous vous dites, mais quel incroyable programme! Et oui, et vous vous dites, mais on aurait tellement aimé suivre tout ça. Et oui, mais c'est comme ça, il vaut mieux faire envie. Et on peut vous annoncer que nous allons désormais avoir des problèmes de riches, puisque notre principal souci sera de savoir si on fait un, deux, voire trois ouvrages avec toutes ces contributions des journées et aussi avec les contributions suite à ce colloque. Et là, je viens de faire un merveilleux teasing. Voilà, pour vous donner encore plus envie. Nous avons réalisé des synthèses de ces journées qu'on pourra vous envoyer sur demande. Je ferme ce petit aparté, puisqu'il y a également eu beaucoup de réflexions durant ces journées liées à l'engagement par rapport au niveau, à un niveau institutionnel, avec des questions liées au choix de diffusion, de promotion, de subvention de tel ou tel artiste, compagnie, dans les festivals de cirque et les programmations de théâtre. Nous nous sommes également interrogés sur les différents courants ou caractéristiques des écoles de cirque au niveau de l'esthétique, de la créativité, de la pédagogie et ou de l'insertion professionnelle.
professionnels. Et d'ailleurs, on a hâte d'entendre la journée de demain, dont une partie sera consacrée à ces questions pédagogiques. Nous avions ainsi reçu Pascale Lejeune, qui est artiste de cirque et directrice de la Smart Company, ainsi que Frédéric Durnerin, qui est directeur du pôle cirque national du cirque de Boulazac, et encore Claude Saint-Dizier, qui est directeur de l'école du cirque de Bordeaux, pour aborder avec elle et eux les questions de leur engagement par rapport aux politiques publiques, au ministère, au territoire, ainsi que leur positionnement vis-à-vis des différentes pratiques circassiennes. Et durant cette journée, la réflexion sur le positionnement des institutions a également donné lieu à une réflexion sur la place du cirque dans la recherche et sa place dans l'enseignement à l'université, une réflexion qui était alimentée par les travaux de Marion Guyez, Marie-Astrid Charlier et Éléonore Martin. Et qui seront poursuivis aussi dans le colloque, notamment par une intervention de Lucie Bonnet et d'autres. Et tu l'as dit très bas, comme si c'était un secret. Oui. Alors, personne n'a vu le programme. Donc, comme on l'a aussi évoqué, il y a eu de nombreuses questions qui ont été liées à l'engagement sur les questions de genre. Et on s'était consacré un petit peu, enfin, partie défrichée un petit peu. Donc, quelle place les femmes occupent-elles dans le cirque contemporain? Quelles relations entretiennent-elles avec les assignations qu'elles subissent et ou qu'elles parviennent à renverser? Comment repenser l'histoire du cirque et de ses pratiques, construites selon un prisme essentiellement masculin, voire masculiniste? Et parmi les interventions, on avait écouté Muriel Plana, qui nous avait proposé une intervention qui s'intitulait « Quel art politique féministe et queer pour aujourd'hui ?» On avait entendu aussi Ariane Martinez, qui nous avait parlé des femmes à barbe, et qui était revenue aussi sur des questions de la pratique de contorsion. Nous avions également reçu le circassien et chercheur Z César, qui est venu partager ses travaux sur les clowneux, parce qu'on n'entend pas à l'oral, mais clowneux, avec nous, mais aussi une réflexion autour du genre dans le milieu circassien au Québec. Voilà, échange magique de chaises. Vaste programme en tout cas, donc celui des relations entre cirque contemporain et engagement. On m'entend, oui, malgré ma voix un peu bancale, vous le verrez cet après-midi. Donc voilà, après cet incroyable teasing du passé, de tout ce qui s'est déjà fait, quel est le programme de nos trois jours réunis ici. Donc on va continuer évidemment à explorer ces questions liées à l'engagement, en croisant donc des contributions et de chercheurs et de chercheuses et de professionnels du spectacle, et en ouvrant les discussions à une pluralité d'approches disciplinaires en art, comme on dit, enfin, art, lettres, langues, sciences humaines et sociales. On a des arts du spectacle, de l'histoire, de l'anthropologie, de la sociologie, des sciences de l'éducation, des STAPS, etc. Enfin, donc, voilà, on essaie de brasser. Et peut-être un petit mot aussi avant de rentrer dans le détail de ce qui va se faire, de préciser que ce matin s'est tenu un séminaire doctoral un peu particulier, la 4e édition du séminaire Faire Corps, dont vous retrouverez des petits fanzines qui sont joliment, que vous pouvez prendre sur la table là-bas. Donc voilà, préciser que cet espace pour les chercheurs et chercheuses émergentes, jeunes, qui s'engagent dans la recherche, doctorants ou en projet de doctorat, de recherche, quels qu'ils soient, voilà, sont invités à participer à nos échanges, qui sont vraiment des lieux de réunion entre jeunes chercheurs, de réseaux de soutien, de faire recherche en commun et de se présenter nos recherches. Donc voilà, on aura des prochaines éditions, et que c'était ce matin dans le cadre de ce beau colloque. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre le petit fanzine. Et donc, pour revenir sur la pluralité des approches qu'on va avoir dans le programme de nos trois jours, préciser qu'on entendra quand même donc trois conférences plénières. Deux. Ah, mais oui, c'est vrai, deux. Deux conférences plénières et pas trois. Donc, Ariane Martinez sur les figures de l'engagement circassien, traces historiques, mythes populaires et déclinaisons contemporaines. Et Olivier Neveu, catégorie de la scène politique, dialectique des classifications. Donc voilà, deux conférences. Louis-Patrick Leroux s'excuse de pouvoir participer, même en visioconférence, malheureusement. Petit empêchement. Et donc, à ces conférences plénières, s'ajouteront évidemment des communications et des tables rondes qu'on a réparties en cinq ateliers, enfin cinq grandes thématiques qui vont approfondir les différentes
thématiques et réflexions déjà entamées et dont on vous a parlé. Donc d'une part, les esthétiques et dramaturgies de l'engagement circassien, donc tout ce qui revient là-dessus. Ensuite, ce qui concerne les formes institutionnelles et politiques de l'engagement dans les arts du cirque. Ensuite, en troisième lieu, le cirque et l'engagement militant, véritablement. Le cirque, l'action sociale et la médiation culturelle, qui forment encore un autre axe. Et enfin, toute la question de cirque, formation et recherche, qui va se poursuivre, notamment avec Lucie Bonnet, etc. Et on accueillera également, à noter, les élèves de l'école de cirque de Bordeaux pour une carte blanche, qui sera à la Maison des Arts, donc dans un autre bâtiment. Et voilà pour notre programme. Et du coup, on remercie évidemment vous tous d'être là et toutes les participantes et participants de ce colloque, ainsi que les étudiants et étudiantes qui sont présents au fond de la salle et qui assisteront du coup en partie ou en totalité à ce colloque. Et voilà, et on peut laisser la place à Magali et Marine du CC Cirque, qui représentent le collectif de chercheurs et chercheuses sur le cirque et qui co-organise le colloque. Donc bonjour à tous. Donc avec Magali, on est ravis de pouvoir prendre part à cette introduction du colloque donc au nom du collectif de chercheurs sur le cirque. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le collectif, donc c'est une association qui a été créée en 2018 pour réunir les chercheurs et les chercheuses qui travaillent au moins en partie sur le cirque, et ce, quel que soit leur statut, donc titulaire ou pas, et les jeunes chercheurs et chercheuses sont évidemment les bienvenus. Et on peut rappeler aussi quand même que si l'association a été créée en 2018, en fait, le collectif existait sous forme informelle depuis beaucoup plus longtemps, en tout cas depuis 2006, puisqu'il est né à l'initiative de jeunes chercheuses à l'époque, dont Magali et moi faisions partie, mais aussi Émilie Salamero et d'autres, qui donc faisaient leur thèse. En l'occurrence, nous, on était en STAPS, mais il y avait aussi d'autres disciplines des sciences sociales. Voilà, c'était un peu peut-être le début, en tout cas en France, des premières thèses sur le cirque. Et on constatait un certain isolement, un certain manque de visibilité de ces recherches, puisque le cirque était un objet, alors pas entièrement nouveau, c'est ce qu'on disait ce matin. On a toujours l'impression que c'est complètement nouveau. On trouve bien sûr des recherches plus anciennes, mais en tout cas en France, il n'y avait pas beaucoup de choses quand même à l'époque sur le cirque, et en tout cas sur le cirque plutôt dans ses formes contemporaines. Et surtout, on avait parfois aussi le sentiment que c'était pas un objet qui était perçu forcément comme légitime par certaines institutions et certains laboratoires. Et donc c'est un petit peu dans ce contexte qu'on avait souhaité créer un réseau très informel au départ, qui, avec ses modestes moyens, essayait de créer des espaces d'échange entre ces chercheurs et chercheuses. Ça a commencé par une liste de diffusion, des séminaires ponctuels, etc. Et ce réseau a quand même pu se développer assez rapidement, notamment grâce au soutien de certaines institutions, dont notamment le CNAC et sa mission recherche, mais aussi Hors les Murs, donc, qui est devenu depuis Arsena. Jusqu'à se constituer en association il y a quelques années. Et il me semble que ce développement, cette structuration progressive du collectif fait aussi écho au développement, évidemment, des recherches en cirque ou sur le cirque en France, mais aussi à l'étranger. On constate quand même avec plaisir l'essor à la fois des beaux colloques comme celui-ci et puis des publications, des recherches dans de multiples disciplines, ce qui montre que le cirque s'affirme, en tout cas en partie, depuis 20 ans, comme un objet d'étude à part entière, même s'il y a effectivement encore toujours des efforts à faire pour le consolider. Et donc le CC Cirque a toujours vocation à soutenir la recherche en organisant ou en soutenant différentes manifestations scientifiques. Et pour ne pas faire trop long, je vais laisser Magali vous en dire plus sur ces actions. Oui, je vais vous présenter ce qu'on fait juste pour, comme ce matin, l'atelier portait sur les dénominations, les catégorisations, revenir sur pourquoi on s'est appelé collectif de chercheurs sur le cirque. Au début, on voulait pas être une institution, enfin, on voulait pas être une association et on voulait pas être trop proche des institutions. Et donc, on voulait rester un collectif indépendant, coûte que coûte. Et bon, finalement, le nom est resté, même si on s'est progressivement structuré. Bon, c'est pas que pour la petite blague, en fait. On avait beaucoup débattu de ces questions-là dans les premiers temps de notre organisation. On voulait pas que ça fasse trop société savante non plus. Bon, de fait, c'est ce qu'on est, hein, c'est ce qu'on est devenu. Maintenant, on a même, je vous l'annonce, une subvention du ministère de la Culture, de la DGCA. On l'a su il y a 3 jours. Donc, et on est
évidemment très content, et, bon, parce que ça témoigne aussi d'une forme de reconnaissance du travail accompli, et puis aussi d'un accompagnement à la structuration, à continuer les efforts de solidarité. On parle d'engagement, mais c'était une forme d'engagement aussi, c'était ce qu'on souhaitait développer, des formes de solidarité. Et alors, c'est pas du tout modeste ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Je crois que l'association a contribué aussi à son échelle à développer un certain dynamisme de la recherche sur le cirque. On le voit dans certains appels à projets où il y a beaucoup de projets qui portent sur les esthétiques, sur les agrès de cirque, sur l'histoire du cirque, etc., etc. Et je crois que ces formes de dépassement des logiques individuelles très fortes dans l'espace académique aujourd'hui qui contribuent aussi à ça. C'est pas du tout ce que j'avais prévu de raconter, mais je le dis quand même. Voilà. Et donc, le mot collectif, il a encore son sens aussi à cet endroit, même si maintenant on est devenu une association un peu plus respectable ou conforme à ce que sont la plupart des sociétés savantes. Alors, qu'est-ce qu'on fait au sein du collectif ? On fait ce qu'on peut faire avec nos moyens. Nos moyens, c'est d'abord une énergie et l'envie de faire. Et on aimerait que vous soyez plus nombreux à nous rejoindre pour pouvoir faire plus de choses. Donc, il y a ces colloques, comme celui qui nous rassemble aujourd'hui, qui sont des moments très importants, parce qu'on est nombreux, parce que c'est l'occasion d'avoir 3 jours pour discuter, pour se rencontrer, ce qu'on ne fait pas toujours, on ne prend pas toujours suffisamment le temps de le faire. Donc, ces colloques qui sont vraiment importants, ils prennent appui sur des universités qui prennent l'initiative de ces manifestations scientifiques et puis des universitaires qui se chargent de cette organisation. Et donc, appel à la suite maintenant pour ceux et celles qui auraient envie de d'organiser ce type de gros événements. Il y a les séminaires Faircorps, qui sont les séminaires des chercheurs, chercheuses émergents, émergentes, qui sont extrêmement dynamiques. Et puis, on peut organiser d'autres rencontres, des webinaires, des échanges. On a une liste de diffusion que vous pouvez rejoindre pour recevoir des infos, pour poster des infos, pour partager des infos. On est présent sur les réseaux sociaux, mais là, ça nécessite que certaines les alimentent. On a un carnet hypothèse qui est un blog aussi, on poste un certain nombre d'informations. Et tout ça pour vous dire que nous avons notre assemblée générale de l'association demain à 18h. Vous êtes évidemment tous et toutes invités à participer, tous et toutes invités à prendre votre cotisation à l'association. C'est pas cher, mais c'est aussi symbolique, mais c'est pas que symbolique, c'est aussi venir rejoindre la dynamique. Et puis surtout, vous êtes invités à venir donner des idées, impulser des projets. Et donc on parlera de tout ça demain. Voilà. Merci pour l'organisation de ce beau colloque. On est très contents. Au sein du collectif d'avoir rejoint l'aventure et puis bon colloque à tout le monde. Merci beaucoup.